Silence plateau, ça tourne, action. Depuis tout petit, tous les soirs, avant de s'endormir, c'est la même chose. Oui, ne t'en fais pas. Bisous. Bonne rentrée. Sois sage. À ce soir. Bisous, ma chérie. Merci, maman. Bonne journée. Bisous. Passe une bonne journée au travail, maman. Moi aussi, mon gars. C'est bizarre, moi il ne m'a pas dit ça. Il a dit qu'il était tombé par fenêtre. Et moi il m'a dit encore autre chose, qu'il s'était battu avec un grand. Moi il m'a prétendu qu'il était tombé à vélo. Il a plein d'excuses différentes. Peut-être que tout cela lui est arrivé pour de vrai. Ouais, peut-être. Ça ne semble pas possible quand même. Thank you.
Le père les a attrapés, l'un puis l'autre. Il a commencé par le garçon. Il l'a pris par le col, l'a soulevé de terre, puis l'a laissé tomber dans le papier de linge sale. Il a empoigné sa fille, puis jeté au sol. Il lui a donné plusieurs coups de pied. Salut, j'ai tout vu, tu sais. Vu quoi ? Vu que tu te faisais battre, que ton père te donne des paires de claques, des coups de poing et de pied. Bon alors, tu sais tout, et tu le gardes pour toi ? Attends, je vais t'aider. Non, laisse-moi tranquille. Ne t'affole pas, je peux vraiment t'aider. Mais comment veux-tu faire ? Il faut dire la vérité, il faut en parler. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Ça y est, c'est fini, tout est fini. Plus de parents qui tapent, plus de blessures, plus rien. Avec son copain, ils sont allés dénoncer le père à la police. Quand les policiers sont intervenus, ils ont surpris le père en train de frapper les enfants. Il a donc été emmené et condamné pour maltraitance. Lui, l'enfant, a été placé en famille d'accueil. L'enfant et la vérité ont gagné. Ils ont vaincu la peur.